tous. Dans cette séquence, je vais vous parler des méthodes synchronisées en Java. Nous avons vu dans des séquences précédentes qu'on avait potentiellement un problème lorsque l'on partageait des données. Et que pour cela, il fallait qu'on crée des sections critiques et qu'une section critique, ce n'est pas autre chose que de forcer quelque part une synchronisation. Dire « je ne vais pas accepter que quelque chose s'exécute en parallèle ou en entrelacement, je vais forcer que quelque part, je vais garantir que je ne peux pas démarrer quelque chose avant que quelque chose d'autre, avant qu'une section critique typiquement, enfin qu'une portion de code soit terminée. Donc en fait, je vais provoquer des synchronisations entre la fin d'une section critique pour une thread et le début d'une section critique manipulant la même ressource bien évidemment pour une autre thread. Donc on est amené à retarder les séquences de code, on est amené à laisser les séquences de code progresser pendant que nous on est bloqué, et ça pose la question de ce qu'on appelle l'exclusion mutuelle, l'accès en exclusion mutuelle. Il y a un certain nombre de mécanismes, certains qui sont génériques, certains qui sont associés à des langages, et en fait la notion de synchronized, donc de méthode synchronisée, est quelque chose qui est une mise en œuvre propre à Java, mais qui ressemble, enfin c'est un mécanisme qui est théorique, hein, qui marche en général, et qui est, en fait il ressemble à la notion de point d'entrée dans un autre langage qui s'appelle ADA, et qui en fait est une manière aussi de forcer ce genre de synchronisation. Et c'est ce mécanisme que nous allons étudier dans cette séquence. L'objectif de la directive Synchronized, c'est de garantir l'exclusion mutuelle, et le premier usage qu'on va en avoir, c'est la portée d'une méthode, où on va dire, lorsque je mets cette directive sur une méthode, eh bien cette méthode, il ne peut y avoir qu'une exécution de toutes les méthodes synchronisées pour une classe donnée à la fois. Donc c'est une protection assez brutale. Par exemple, si toutes les méthodes qui modifient un attribut sont marquées comme étant synchronized, eh bien vous pouvez avoir la garantie que s'il y a une tentative d'écriture ou plusieurs tentatives d'écriture, ces tentatives d'écriture ne pourront pas rentrer en conflit les unes avec les autres. Bien évidemment, ça ne porte que sur les méthodes qui sont protégées de la sorte. Il faut se poser la question, est-ce que toutes les méthodes sont synchronisées? Bon, c'est un peu brutal. Le problème, c'est que ce brutal, il va coûter cher, parce que vous allez peut-être faire des synchronisations qui sont inutiles. Et du coup, vous allez ralentir votre programme. Donc en fait, il faut réfléchir. Est-ce que je verrouille tout? Qu'est-ce que je dois verrouiller exactement? Regardons maintenant le mécanisme. On verra après, il y aura une autre séquence avec une discussion sur faut-il verrouiller ou ne faut-il pas verrouiller. Et je vais reprendre mon exemple de compteur qu'on a traité dans la séquence qui a servi d'illustration à mon problème de gestion de données partagées. La seule chose ici, c'est que vous voyez que la classe, elle s'appelle compteur protégé, et donc j'ai changé un petit truc. Je n'ai pas changé grand-chose. En fait, la seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai ici déclaré que inc et dec étaient synchronized. Ça veut dire que j'ai dit, toutes les méthodes synchronized, il n'y a qu'une seule occurrence d'exécution à un instant donné pour un objet donné. D'accord ? Et donc, par contre, toString qui se contente d'afficher la valeur de celle-là, je m'en fiche. Elle n'a pas d'effet de bord sur la valeur de mon compteur. Le pire que je pourrais avoir, si elle se synchronise mal, c'est que je pourrais avoir une différence dans la valeur, mais l'intégrité de ma donnée n'est pas forcément altéré. Si vraiment je suis un fou, je peux aussi la mettre synchronized. Alors, regardons maintenant le client. Le client ne change pas. La seule chose qui va changer, c'est que on reçoit des compteurs partagés et pas des compteurs. Mais sinon, c'est exactement le code de la séquence où je vous ai présenté le problème sur le partage de données. Et même topo pour le programme principal. Sauf que vous voyez des compteurs protégés, là où avant, il y avait des compteurs tout court. C'est tout. Regardons maintenant l'exécution. Dans la séquence où on identifiait le problème, on avait une première exécution qui donnait un résultat, une deuxième exécution qui donnait un deuxième résultat, une troisième exécution qui donnait un troisième résultat, et ici, je n'ai plus rien de tout cela. Alors évidemment, ce n'est pas trois exécutions qui sont significatives. Parfois, c'est une exécution sur 10 000 qui plante. Évidemment, j'ai secoué mon programme, j'ai fait beaucoup d'essais et ça marche. Donc j'ai toujours le problème d'entrelacement des instructions, j'ai toujours le problème d'interruption qui peut se dérouler n'importe où, mais les problèmes sont réglés parce que même si une commutation a lieu pendant l'exécution du compteur++, eh bien j'ai la garantie que
les mécanismes seront mis en œuvre pour qu'une autre thread ne peut pas rentrer dans une méthode qui fera un deck ou un ink tant qu'on ne sera pas sorti. C'est-à-dire qu'en fait, on a posé que le corps de deck et que le corps de ink étaient des sections critiques. Celui qui y rentre a la garantie d'être seul à exécuter ce code-là. Et si quelqu'un est rentré dans le deck, le ink est aussi interdit. Alors, par contre, si j'ai deux objets, je peux avoir quelqu'un dans le deck du premier objet et quelqu'un dans le ink, le deck du deuxième objet. Ça, c'est des choses qui sont distinctes. Regardons le chronogramme d'une exécution possible. On ne va pas faire toute l'exécution parce que là, j'en ai quand même beaucoup, mais on va regarder le début de l'exécution. Donc ici, vous voyez, j'ai le flux d'exécution de ma classe principale et qui va commencer à s'exécuter. Alors là, il va créer un objet compteur. Alors cet objet compteur, il n'est pas associé à une thread, mais je vais quand même le représenter dans mon chronogramme parce que il va engendrer des synchronisations à cause de la directive synchronized. Donc je le fais apparaître, vous voyez que en fait ce qui se passera, c'est que quand on aura une partie qui sera pleine, ce sera pas, il est de couleur différente, c'est pas le même pointillé parce qu'en fait il n'a pas son compteur ordinal propre. Les instructions de la classe compteur protégé qui vont s'exécuter sur cette ligne ne vont pas s'exécuter dans un flux d'exécution propre, mais dans le flux d'exécution des threads. Donc je crée mon compteur et puis je crée ici la thread qui est dans T0 mais qui, qui est la première thread qui va s'exécuter. Puis cette thread là, elle va commencer par dire coucou, c'est moi, je suis là. Et puis ensuite elle va commencer à faire un accès au compteur. Donc là, elle peut faire l'accès au compteur parce qu'effectivement, elle est toute seule et on imagine que les choses se passent bien. Donc mon compteur, il était à 0 et il passe ici à 1. Et puis le programme principal continue son exécution. Il va créer la deuxième thread. Alors, souvenez, hein, il crée l'objet de type tâche, puis ensuite il crée la thread en associant cet objet-là. On a vu, c'est quelque chose qui doit désormais être connu, ça a été l'objet d'une séquence particulière. Lui, il fait un affichage. Vous avez le start, hein. Ici c'est le start, ici c'est le start, là ici c'est l'affichage. Et ensuite, il reprend la main, il crée le troisième programme, il y a des commutations, hein, c'est tout. Et puis là aussi, j'ai le start avec un petit affichage. Et puis il en crée une autre. Et puis j'ai ici mon petit affichage. Je pense qu'on va partir. Et puis voilà, lui, il lance la création. Enfin, il lance un ink ou un deck. Ça devrait être un deck en théorie. Et puis pas de bol, il est commuté. Il est commuté à ce niveau-là. On ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, lui il prend la main et il lance un deck. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que il existe déjà quelqu'un qui est interrompu dans la primitive. Donc, le programme principal reprend la main, il continue à créer des threads. Puis, tôt ou tard, la main va revenir sur cette thread-là. Et à ce moment-là, elle va pouvoir exécuter la fin du code. Et donc, ici, c'est évidemment une incrémentation qu'il fait. D'accord ? Donc, il va faire cette incrémentation et ça s'est passé de façon saine. Et à ce moment-là, lui peut reprendre la main et exécuter ici le code qui est en fait le code d'une méthode de compteur protégé, mais qui est exécuté pour le compte de lui. Au même titre que cette méthode était exécutée pour le compte de lui ou que celle-là était exécutée pour le compte de lui. Et à ce moment-là, vous voyez que cette notion de séquentialisation, il n'y a pas de problème. L'interruption de la séquence d'exécution, comme j'ai cette garantie d'exclusion mutuelle au niveau de mon exécution, sur cette ligne-là, je ne peux pas avoir en gros de chevauchement qui voudrait dire que j'ai des chevauchements de flux d'exécution, eh bien, je n'ai pas de problème. L'exécution est correcte, il a fait son deck, et puis après, ben, ça continue, etc. etc. Hein, voilà, ça veut dire qu'en fait, quelque part, les objets ont une sorte de verrou qui va être dédié
à gérer les synchronisations via cette directive Synchronize. On reviendra un petit peu plus tard, en fait, pour être franc, ce verrou, ça s'appelle un moniteur, mais pour l'instant, c'est prématuré. On aura des séquences, plusieurs séquences, qui seront dédiées à cette notion de moniteur. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.